Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Entre les deux clubs Motema Pembe et l'Olympique Club Renaissance du Congo. Pour la première fois ici au stade Tata Raphaël, le spectacle est au rendez-vous. Tout à fait, le spectacle est au rendez-vous. Sans... Junior, vous connaissez avec Moussinga Komambo. Le centre de Moussinga, la tête piquée. Après, c'est vraiment intéressant. Moussinga Komambo qui accélère. Moussinga, le centre de Moussinga. C'est Boba Chilombo. Bomo Lamigas, le banc de Bomo là qui traverse cette surface, qui accélère. Attention Okito, il va donc trouver Wantete, la frappe de Wantete. Oh, ça passe à côté cette tentative de Wantete Chancel. Ah oui. L'ancien de New Jack, Asen Pongo, l'ancien de Sito Lupopo. Le ballon de Mpongo s'est dégagé par Nouvelle Yuanda. La balle qui traîne toujours, la Pinda qui dégage. Richard Vino. Qu'est-ce intense, non? Là on revoit un peu plus. Narvaez-Olo, c'est le vent, c'est pas du tout la main, parce que derrière il met ses bras derrière, et pas du tout, allez-je dire aussi, il n'a pas le même rythme que ses partenaires. C'était les tirs des Mambebe Glody, la déviation pour Wantete. Wantete, il va donc percer Wantete, qu'est-ce qu'il est bon. L'intervention des Foloko Dilama, la faute sur Wantete. Coup franc à suivre pour la Renaissance du Congo. Ah, c'est Wantete qui est bon sur le côté. Il allume la mèche et derrière, il sait exactement ce qu'il faudrait faire lorsque la porte se referme. Ah, qu'il est bon, c'est Wantete. Regardez, il a tenté un petit pan. Oui, avec ce coup franc de l'Olympique Club Renaissance du Congo. C'est vraiment que ce qui départ, Wantete chancelle. L'avant-centre des Oranges, ancien des New Jack, Wantete qui enchaîne. Mais c'est dedans. L'ouverture du score de l'ancien Renaissance du Congo. À Chancel, Wantete, le camp de René qui jubile. L'ambiance, rendez-vous comme d'habitude. Déjà, ça a été debout le premier match. Ah, Wantete, regardez. Ah, quelle intelligence, Wantete. Lorsqu'on le revoit des prix, regardez, il a déjà couru parce qu'il a vu ce ballon entrer. Ah, Moulinda, il a été pris. L'ancien de la Renaissance du Congo, Kalonji, Lubila Katembo à la récupération. Lubila, le centre suivant de Lubila, c'était dévié au second poteau. Axel, et c'est la main ferme du gardien. Un peu merveilleux. Yeah!
vélo. C'est comme si ce 12e homme constituait une énergie renouvelable. Ça a tellement d'énergie, ce 12e homme. Le centre, la tête de droite, tiens encore les gardiens Ouléda. Qu'est-ce qu'il est beau ces gardiens. Mais c'est aussi ce joueur de la Renaissance, tout au bout. Ouattiti qui fait bouger cette défense. Incroyable. Ouattiti, regardez comment il va toucher ce ballon de la tête. Derrière Ouléda qui reste vigilant. Alors, vidéo. Et les oranges qui haussent le ton. Il se stade à Raphaël. Et c'est Viti Costa qui inaugure du coup le coup de jeu 1952 qui accueille pour la première fois cette derby fratricide Congo. Matheson Macanguila, le centre de Matheson Macanguila, la tête de Christophe Calapenas, Juno Aboukone. Oh là là, le gardien qui va pencher la balle, qui va enchaîner. Le tir de Ouattiti, c'est trop forcé. Ouattiti s'en charge. Les ballons de Juno Aboukone, la tête. Oh là là, la barre. Il trouve Foloko Djoulama et Foloko, l'ancien des Fouilles à Sport, Amoussiga et DSMP qui s'active. La passe au second poteau. Oh là, Bobola Miguel, l'ancien des Célestes, n'a pas pu bien conclure cette action. Il la pose ici au stade de Raphaël. Petite plus-value à ses côtés pour pouvoir mettre beaucoup de... Le ballon avec Amoussiga, l'égalisation est là peut-être. Oh là là, quelle occasion ratée par les Immaculés. Défendu parce qu'il ne cède surtout pas. Et là, c'est fuyant. Heureusement qu'il y a ce rebond. L'appui sur Mido Kingu, le centre de Mido Kingu. La tête. Il touche donc la barre. Hussein Mali avec Juno Aboukone. Le tir de Juno Aboukone. La passe de Hussein Mali. Très vite pour qui? Pour Moussinga Komambo devant Maïti Kilijambino. Moussinga, Moussinga, il va tenter d'enrouler. C'est parti avec ses ballons, second poteau. Que c'est dur. Kalonjimira pour Dongala Liwanda. La passe de Dongala Liwanda. La belle déviation pour Moussinga Komambo. Peut-être une dernière occasion. Le centre, second poteau. Oh, l'égalisation qui arrive à toute fin de la partie. DSMP obtient ce coup égalisateur sur ce centre. Changer de camp. Oui, ici au stade Tata Raphaël, alors que la nuit est en train de tomber, tout pensait être écoulé pour les athlètes Motema Pembe, mais c'est lui, un éclair de génie. Il s'est jamais arrêté de courir, et derrière le petit toucher de balle de la tête, il a dit, ils ne m'ont pas vu venir. Oui, le gardien ne l'a pas vu venir, je le disais.